La gare de Lyon, c'est 3 km de bâtiments classés et de voies ferrées en plein cœur du 12e arrondissement de Paris. 100 millions de passagers y transitent chaque année. Les uns en direction du soleil et du midi, les autres serrés dans des trains de banlieue. Une ville dans la ville, avec ses usines à sandwich. La star des sandwichs, c'est le jambon fromage. Sa police. On surveille, on regarde si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Dépêche-toi. Oui, attendez, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Ses privilégiés. Vous souhaitez un petit peu d'ail, monsieur ? Et ses exclus. On va vous demander de libérer la place, d'accord ? Avec des jours où tout se passe bien. Alors la tradition, c'est de porter un toast à ceux qui pensent que c'est dur de faire les voyages. Et des jours où tout se passe mal. Faute. Vous dites des conneries, là. Vous dites des conneries. Ça fait une heure qu'on attend. Ça devient comme ça, c'est le vrai pugilat, là, ça devient gérable. Gare de Lyon, on peut tout perdre. Ça, pour une fois, ça n'a pas l'air d'être du toc. Et tout retrouver. Ça, c'est bien. Voilà. Merci, super. Un lieu chargé d'histoire que l'on visite. On n'imagine pas que c'est si grand quand on est en bas. Mais où s'invente aussi la gare de demain. Je verrai bien dans l'avenir un pressing, éventuellement un coiffeur, la pharmacie LIS, c'est très bien. On a des tas de petits besoins en voyage pour pouvoir satisfaire. Donc je pense que c'est bien aussi que la ville rentre dans la gare. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Il est 7h du matin. Comme chaque jour, on attend 300 000 voyageurs et 2000 employés à la gare de Lyon. Au train bleu, le restaurant mythique de la gare, c'est l'heure des croissants. Au petit déjeuner, on part l'affaire avant de sauter dans un train. C'est un peu notre bureau ici, voilà. Je mène des coachings ici, des coachings professionnels. Donc je trouve que c'est un endroit magique pour ça, qui à la fois donne une ambiance de l'autre temps du voyage. Et les clients adorent venir ici aussi. Le voyage, c'est dans cet état d'esprit qu'a été conçu le train bleu en 1901. À l'époque, il s'appelait plus simplement le buffet de la gare. Les 41 peintures qui ornent les plafonds et les murs représentent toutes les provinces traversées par le train à cette époque. Ces salles majestueuses sont classées à l'inventaire des monuments historiques. Alors beaucoup de voyageurs ne poussent la porte que pour le plaisir des yeux, comme ce touriste australien. On va prendre un train pour la campagne, pour un mariage. Je voulais juste entrer pour découvrir cet endroit. C'est vraiment une brasserie traditionnelle. On dirait le château de Versailles. Vous ne mangez rien ? Vous ne buvez rien ? Non, non, on peut pas. On a un train à prendre. Le TGV Lyon-Paris Pendant qu'au train bleu, on prend le café, la gare de Lyon se réveille doucement. Sur les quais, les premiers trains arrivent. Descendez de votre lieu. Grands voyageurs ou hommes d'affaires, ceux qui débarquent croisent ceux qui prennent le large. Direction le sud. Des familles, des retardataires, quelques égarés. Celui-là, c'est celui qui va à Nice. Celui-là, c'est celui qui va à Nice, d'accord. Lieu de séparation, la gare est aussi celui des retrouvailles. Chaque jour, en surface, la gare de Lyon brasse 100 000 personnes. À l'embarquement. Une vie rythmée par le va-et-vient des 200 TGV au départ et à l'arrivée. Mais il existe une autre gare sous la gare, celle des trains de banlieue. Ici, comme tous les jours, c'est l'effervescence. Un demi-million de personnes s'entassent dans les rames du RERD, la ligne la plus fréquentée du pays.
La ligne D traverse toute l'île de France sur 6 départements, du nord au sud. Ici, matériel vétuste et retard en cascade excèdent ces voyageurs du quotidien. C'est épuisant. Il y a toujours des problèmes. Hier, 35 minutes pour aller à Maisons-Alfort, la droite de train. Retour en surface. Au total, 100 millions de voyageurs arpentent la gare chaque année. Assurer leur sécurité, c'est l'obsession de tous ceux qui travaillent ici. 50 agents en tenue, la sûreté ferroviaire patrouille à longueur de journée. Et 320 caméras ont été réparties dans toute la gare. Sur ces images de vidéosurveillance, un homme par exemple se jette violemment sur un agent de la SNCF. La caméra enregistre tout. L'individu est arrêté dans la minute qui suit l'agression. C'est dans cette salle que convergent toutes les images. Des opérateurs les analysent en direct, 24 heures sur 24. On surveille. On surveille les gens, les comportements. On regarde si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas de comportement indécent ou toutes sortes d'incivilités. On est un peu voyeur quelque part. Nous aussi, on apprend plein de choses. On apprend un petit peu toutes les techniques de vol. Exemple, un grand classique dans les gares, le vol aux assoupis. Cet homme profite de la fatigue des voyageurs qui attendent le premier train pour les délester de leurs bagages. D'abord une petite sacoche. Puis le voleur revient, cette fois pour embarquer tout aussi discrètement une valise. Deux vols en moins de 5 minutes et personne n'a ouvert l'œil. C'est toujours basé sur le détournement d'attention. C'est toujours basé là-dessus, de toute façon. La personne qu'on va voler, il faut qu'elle soit ailleurs. Il faut qu'elle oublie pendant quelques secondes qu'elle a des affaires personnelles. C'est la technique, en fait. Autre classique, le vol à la tâche. Cet homme à gauche va discrètement jeter du lait concentré sur l'épaule de ce voyageur pour lui faire croire qu'il a été victime d'un pigeon. Par réflexe, le voyageur enlève aussitôt sa veste pour la nettoyer. Il en oublie de surveiller ses bagages. Aussitôt, un complice en profite pour partir avec l'une de ses valises. Mais les voleurs étaient surveillés et ils sont aussitôt arrêtés. Autre technique, l'arnaque à la pétition. Ils viennent d'arriver. Hein. En fait, ce sont des personnes qui vendent en toute illégalité des journaux où ils font des pétitions, par exemple, des fausses pétitions. On a vu des fois des vols de portables à l'extérieur, sur une terrasse, par exemple, des gens qui prennent le café. Il y en a un premier qui arrive, qui montre. Par exemple, il va arriver, le monsieur est là. Le gars va montrer la pétition comme ça. Donc le type, il n'a plus la vision de sa table. Et un deuxième arrive et pique le portable comme ça. Il s'en va immédiatement. Ça se passe en 5 secondes. Frédéric fait partie d'une équipe qui traque les pickpockets. Nous ne verrons pas son visage, sa force, c'est son anonymat. La veille, il a arrêté justement une femme en flagrant délit de vol à la pétition. Alors, c'est une photo prise hier. On voit une pickpocket en train de présenter une pétition bidon à une voyageuse. Mais cette pétition sert en fait à masquer le geste de la pickpocket, puisque sur cette photo, on voit la main gauche de la pickpocket qui tient la pétition et la main droite qui a presque extrait le portefeuille du sac à main de l'éventuelle victime. Vous voyez les deux doigts, c'est le système de la fourchette qui permet d'extraire le portefeuille. Frédéric sillonne les gares depuis 25 ans pour arrêter les pickpockets. Il n'appartient pas à la police. Il travaille directement pour l'équipe de la sûreté ferroviaire de la SNCF. On marche sans arrêt. Plus on marche, plus on croise de voyageurs. Et plus on croise de voyageurs, plus on a de chances de détecter quelqu'un qui est là pour voler. Il faut se mettre dans la peau du voyageur lambda.
aussi bien au niveau attitude que vestimentaire, que bagage. Faut vraiment en permanence être dans ce rôle d'acteur. Il n'y a pas de typologie des pickpockets et vous avez vraiment, ça va de tous les âges. Hein. Le plus jeune que j'ai interpellé avait 5 ans, le plus âgé avait 87 ans. Quoi. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Faut vraiment, c'est un travail qui vous apprend justement à ne vous fier à personne. Tout le monde est suspect. Après, c'est une question de comportement. Changement de costume et de décor. Frédéric a laissé tomber la veste et nous emmène en haut des escaliers du train bleu pour nous donner quelques conseils. Le premier conseil que je pourrais donner aux voyageurs, c'est quand vous achetez un billet train, faites attention lorsque vous composez votre code. Et les gens ont tendance à se méfier lors de retrait d'argent, mais en revanche, ils se méfient moins lors d'un retrait de billet train, alors que le danger est égal. Si un voleur dispose de votre code confidentiel et réussit par la suite à dérober votre portefeuille avec votre carte bleue, c'est dramatique. Bon, après, c'est conseil plus basique, hein, faire attention à ses bagages, pas trop s'écarter. Le mieux, c'est vraiment contre soi, c'est essayer de faire en sorte que les bagages, vous les sentiez, quoi. Et ça, c'est important. Autre conseil, c'est les affaires du siècle qu'on vous propose dans une gare, je vous les conseille pas, quoi. Le change qu'on va vous proposer en vous permettant de faire un bénéfice, ça n'existe pas. Et Frédéric sait de quoi il parle. L'arnaque au change, c'est un autre grand classique dans les gares. Démonstration une heure après. Frédéric repère le manège de deux suspects. Nous le suivons en caméra cachée. Le premier des deux arnaqueurs, c'est cet homme à la valise. Frédéric ne va pas le quitter des yeux. L'homme est à la recherche d'un pigeon à arnaquer. Frédéric continue à jouer les voyageurs. L'arnaqueur ici sur la gauche vient de ferrer sa victime. C'est cet homme en costume clair sur la droite. L'arnaque est simple, le voleur se fait passer pour un homme d'affaires étranger pressé qui n'a pas le temps d'aller à la banque changer ce billet hongrois d'une valeur, dit-il, de 800 euros. Il se propose de l'échanger à l'inconnu contre 500 euros seulement. L'homme hésite, arrive alors le complice du voleur qui par hasard a entendu la conversation et lui confirme que le billet vaut bien 800 euros. Croyant faire une affaire, l'homme accepte d'aller au distributeur le plus proche, en dehors de la gare. À droite, l'arnaqueur, au centre, la victime, devant, le complice. C'est au moment où l'homme retire les 500 euros que les deux arnaqueurs sont arrêtés en flagrant délit. Bonjour, police, bougez pas. Bonjour monsieur, alors bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je voudrais savoir justement. Oui, bah vous allez au commissariat. Montrez ce qu'on vous a donné là, ce qu'ils vous ont donné. Combien vous lui avez donné au monsieur là? 500. 500 euros, d'accord. Ouais. D'accord, bon ça vaut 50 centimes. Ah bon, c'est vrai, ça vaut 50 centimes d'euros. Voilà. Ah bon? Ah bah oui, c'était époqué monsieur. C'est bon. Ah bah ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Ah bah merde alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un bien bol celle-là. Mais vous imaginez pas que ça pouvait être... Ah non, pas du tout. Direction le commissariat de la gare de Lyon où la police va entendre les arnaqueurs. Dans l'absolu, ils encourent une peine de 5 ans de prison. Dans les faits, si le vol s'est fait sans violence, ils sont rarement condamnés. Voici les billets. La victime, elle, n'en revient pas encore. Faites attention à vous. Monsieur. Une fois, pas deux. Hein. Ils s'en prennent à des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude et puis ils se méfient pas et puis voilà. Allez, bon. Merci, monsieur. Pour Frédéric, la mission s'arrête là. C'est une belle affaire par la qualité des délinquants. Hein, c'est quand même pas des enfants, ce ne sont pas des enfants. Et puis on est très content pour la victime, donc ça nous fait doublement plaisir. Dans la gare, tout est fait pour rassurer les passagers, les caméras de sécurité, mais aussi le choix de la voie qui les guide. À Paris-Gare de Lyon, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. C'est bon pour moi. D'accord. Voilà.
Ça, c'est pas mal. Cette voix, c'est celle de Simone Hérault. Il est 10 heures du matin. Dans le studio de la SNCF, elle enregistre avec Dominique Bruno les messages diffusés dans les gares de toute la France. De Coulommiers à Tournan et Paris. Avec l'arrivée du numérique, elle parle un peu comme un robot. Elle prononce de façon découpée des mots qui seront ensuite mis bout à bout pour devenir des annonces d'arrivée, de départ ou de retard. Porte Hall, quai. Vers voie 2 bis et hall de la gare. Ma voix, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est une voix qui est naturellement souriante, mais elle a des qualités techniques, paraît-il, parce que là aussi, je n'y comprends pas grand-chose. Elle a des qualités de fréquence qui font qu'elle passe bien dans un univers sonore difficile, comme le sont les univers sonores des gares. Est-ce que je peux compenser l'absence de « s'il vous plaît » par un sourire, quand même, un peu ? Comment tu ferais le sourire ? Éloignez-vous du bord du quai. Ah oui, très bien. Hein, très bien. Comme ouais, ça adoucit un peu. Je ne vais pas leur dire « éloignez-vous du bord du quai ». C'est une voix très douce, qui peut être très très proche, vraiment très proche, très sensible, très cocoune. Et puis, en même temps, très, très sérieuse, parce qu'on n'a pas toujours des annonces sympathiques à faire, et donc elle sait faire les deux, elle sait gérer les deux. Voie D, le TGV numéro 601, à destination de Lyon-Perrache, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Il y a déjà tellement de réverbération naturelle qu'il ne faut pas en rajouter en parlant trop vite. C'est ce que j'apprends beaucoup aux jeunes gens qui viennent partager avec moi mon expérience professionnelle, par exemple. C'est une des règles dans une gare, il ne faut pas parler trop vite. Fin de matinée, Simone fait un passage par la régie, juste au-dessus des quais. C'est le local d'où Karima et Guillaume font partir les annonces que Simone enregistre en studio. Ils doivent également prendre le micro en cas de trafic perturbé. Simone a un œil bienveillant sur les deux jeunes cheminots, car l'exercice n'est pas facile. Information, des agents d'accueil sont disponibles sur le quai. N'hésitez pas à les solliciter. SNCF vous souhaite un agréable voyage. Ouais. Mais c'était très joliment dit tout ça. Et elle a bien dit. Elle imite Simone. Souriante. Et qu'est-ce que ça vous a fait de la rencontrer en chair et en os ? La première fois que je l'ai vue, c'est mettre un visage sur les annonces que je déclenche tous les jours. Et après, on voit la personne, qu'elle est souriante, sympathique, proche des agents. Donc, non, ça fait plaisir quand elle passe. C'est le rayon de soleil. Et avec ses 30 ans d'expérience, Simone a toujours un conseil à donner. 167, départ initialement prévu à 17h34 à destination de Montargis. Au début, je parlais trop vite. Oui. Et là, ça va, le débit, là, ça va. Ouais, c'est bien. C'est aidé du travail. Mais... Voilà. Il y a juste le chiffre 4. C'est 4 et pas 4. 4. SNCF vous remercie de votre attention. Eux, ils essayent de m'imiter. Je suis leur référence et tout. Je voudrais quand même dire que moi, je serais bien incapable de faire leur boulot. Parce que quand je vois tout ça, tous les écrans, tout le truc, moi, ça me... Je serais incapable. Regarde-moi ça, tout d'un coup, ils prennent le truc, ils regardent les affichages, les machins. Moi, ça me paniquerait complètement. Mais est-ce que Simone me donnerait le plaisir de faire une annonce d'arrivée à la voix ? Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Il y a juste, avec cette souris, plus qu'à cliquer sur appel. Et puis... Je clique et je parle là, c'est tout. Et ouais, il faut être assez proche. Là, ça ira bien. Et dès que ça passe au vert, vous pourrez faire l'annonce. Je clique sur quoi ? Pardon, appel. Le train, en provenance de Montargis, est entré en gare, voie N. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. SNCF vous souhaite une agréable fin de journée. Je suis contente. Bye. Voilà. Merci. Ouais, il est 11h30, Simone quitte la gare de Lyon. À la prochaine. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Et quand vous voulez ? Oui.
Parmi les 100 000 voyageurs grande ligne, il y en a certains qui n'utilisent pas la gare comme simple lieu de passage. Christian Noiset, par exemple. Il va y rester une bonne partie de la journée. Il arrive de Lyon, il est à la tête d'un cabinet de recrutement et vient à Paris pour recevoir des candidats. Il ne quittera pas la gare longtemps, à peine sorti, déjà rentré. J'ai quitté la gare, il y avait une passerelle, donc je n'ai pas pris l'eau. Donc vous voyez, je n'ai même pas d'imperméable quand je viens à Paris, puisque je ne sors pas de la gare. Christian vient une fois par semaine dans ce centre d'affaires, bonjour, ouvert depuis 8 ans, sous la tour de l'horloge. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Très bien. 316 aujourd'hui. Merci beaucoup. Je gagne beaucoup de temps. C'est très fonctionnel. À la limite, si un train est en retard et que je le sais, je peux rester un peu plus longtemps ici. Donc je gagne vraiment beaucoup de temps. Il faut imaginer que le fait de ne pas prendre le RER ou le métro le matin comme ça en arrivant, c'est aussi très confortable. Vous voyez qu'on ne sort jamais de la gare, puisqu'on a ici le tableau des trains. On sait à quel quai on peut aller tout de suite chercher le train, donc c'est très intéressant. À chaque fois que Christian vient ici, il occupe un nouveau bureau. Aujourd'hui, c'est côté gare. Voilà, c'est mon deuxième bureau. Alors là, on a la vue sur la gare de Lyon. Sur les toits de la gare de Lyon. C'est donc au cœur de la gare que Christian va rencontrer ses 5 candidats de la journée. Le premier candidat vient tout droit de Strasbourg. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Et puis notre dernier échange. D'accord. Pendant que Christian commence sa journée marathon, Marie-Josée Goy, la responsable du centre, fait le point sur les réservations. Unifa, c'est cet après-midi là juste, hein, c'est ça ? Uniquement cet après-midi, oui. Elle gère 80 bureaux et 20 salles de réunion. Je vais vous montrer la grande salle qui sera utilisée cet après-midi. Donc ici, c'est une mutuelle qui va venir, peut-être pas en assemblée générale, mais en tous les cas, avec une réunion d'actionnaires. De ce côté-là, nous sommes côté gare, sans nuisance aucune, puisqu'on est juste au-dessus des TGV, on n'entend pas les trains. Ici, un laboratoire pharmaceutique est parmi nos clients réguliers en réunion commerciale. Ils viennent d'où, eux, par exemple ? Ils viennent de Lyon. Et les noms des bureaux, bien sûr, sentent bon les escales du Sud. Orange, Montpellier, Marseille et Nice. Quand on leur dit que vous êtes en Aix-en-Provence, ils trouvent ça formidable. Et dans le bureau Bandol, on a improvisé un showroom de vêtements. Ici, on présente la nouvelle collection à des commerçants. Ils sont les seuls à faire un showroom ici. Hein. Et vous en pensez quoi d'avoir un showroom dans la gare de Lyon ? Ça ne me dérange pas, c'est pratique, hein, l'accès est pratique. On arrive juste dans la gare, tout de suite à gauche, c'est bien. Quand je leur ai proposé éventuellement de faire un showroom, c'est vrai qu'ils ont été un peu surpris, parce que bon, ils sont plus adaptés pour faire de la bureautique ou des réunions. Hein. Ouais, en fin de compte, ça se passe très bien. Au train bleu, on se met en ordre de bataille pour le service du déjeuner. Au débarrassage, les chefs de rang, les gars, vous allez me débarrasser comme il faut. Quand je vois des piles d'assiettes au débarrassage... C'est Michel, le directeur, qui mène la cadence. Et comme dans tous les grands restaurants, le rythme est militaire. Donc soyez vigilants. Si vous voulez m'avoir derrière le dos, vous allez m'avoir. Bon service à tous. Merci. Début de service, il faut toujours un petit peu motiver les troupes. Si on ne fait pas le briefing et puis si on ne met pas un point d'arrêt, ils sont à midi en train de boire le café toujours. La salle est pleine comme presque tous les midis. La moitié des clients ne sont ici que pour déjeuner et repartiront sans prendre le train. Sous les dorures des salons, le service se fait au pas de charge. Il faut servir 260 couverts. Et puis c'est modeste. On est venu parce qu'on a lu que c'était très beau. Eh ben, et bon. Vous n'êtes pas déçu pour l'instant ? Non. Donc tout va bien. Au train bleu, on peut déjeuner avec vue sur les fresques ou vue sur les quais. Quand on veut voir les trains, vous en avez une qui est géniale, c'est celle-ci. Elle est un petit peu isolée, elle n'est pas toute en enfilade. Donc celle-ci, un des clients voit la salle, l'autre des clients est carrément face à la gare, il peut profiter du spectacle. Donc là, on a toute la gare en enfilade, c'est génial.
L'autre spécialité du restaurant, c'est le gigot d'agneau à la fourme d'Ambert, découpé sur planche et dans la salle. Vous souhaitez un petit peu d'ail, monsieur ? Oui. C'est un des plats les plus demandés et c'est aussi un des plats servis le plus rapidement parce qu'il est déjà prêt. Pour ceux qui ont des trains. Voilà, exactement, pour les personnes qui sont pressées et qui prennent le train. Une personne, vous n'aviez pas réservé ? Non. C'est pas grave, on va vous trouver une belle. Cette cliente est ce qu'on appelle une cliente d'un jour. Elle n'est pas venue à la gare pour prendre un train, mais juste pour un plat et un dessert. Merci. Merci. Voilà. C'est exceptionnel. Hein, le décor est très beau. Toute une époque. Hein. On est tellement habitué à ces choses uniformes maintenant, sans grâce, sans. On vient plus pour le décor ou pour la qualité de la. Moi, c'est pour le décor. On se doute que ça doit suivre, on espère. La bascasse, toujours, bien sûr. Et même tout salon. Une dorade à suivre. Où, chef ? Il est 13h, en cuisine, on est en plein coup de feu. Une dorade, il y en a une sans capre. Réclame un cabillaud. Un château saignant, une dorade et deux rascasses à suivre. Oui. Une rascasse, un porcelet à suivre. Le chef, Jean-Pierre Hoquet, est aux commandes. Il doit sortir 260 repas. Le moindre accroc en cuisine et c'est le chaos en salle. Alors tout le monde doit être à 100%. La plupart du temps, c'est spin. Mais on fait avec. C'est un peu comme d'habitude. Voilà. C'est spin, mademoiselle ? Excusez-moi. C'est une journée comment ? Une bonne journée. Le record, je crois que je me souviens, c'est 380. 380, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que le service commence très tôt, tout de suite, de 11h30 jusqu'à 3h15, 3h30 sans interruption. Réclame un château saignant, une dorade. Je peux pas deviner, moi, je suis pas. Tu voulais de la purée, je voulais de la purée, ça me gêne pas. Hein. Mets-moi une cannelle de purée sur l'assiette. Faire un plat, c'est facile, mais le répéter 200 ou 300 fois, et que ce soit toujours de la même façon, la difficulté, elle est là. Hein. Elle n'est pas ailleurs. Donc. Je dirais que le mieux ici, c'est l'ennemi du bien. Vouloir faire trop bien, on finit par faire mal. Il vaut mieux avoir des plats qui soient, au niveau de l'envoi, assez simples. Trop compliqués, on ne peut pas faire par rapport à l'intensité qu'on a dans le service. Pour la cliente d'un jour, c'est la fin du déjeuner. Ici, l'addition moyenne est de 70 euros. C'est un peu cher. On sait. Sans doute. Mais ce soir, je vais manger des figues et des pêches plates que j'achète au sortir du métro. Alors, ça compensera. Le directeur du train bleu est le seul dans la gare qui ne tient pas à ce que les trains partent à l'heure. S'il y a des périodes neigeuses, comme on a eu ces deux dernières années, les trains bloqués, donc les gens sont bloqués dans la gare, ils cherchent à se réchauffer, donc ils montent chez nous. Donc c'est tout bénef. On aime bien quand il y a des perturbations. Il est maintenant 15h. Dans les sous-sols de la gare, Vincent Pereira est celui en qui des milliers de voyageurs placent leurs derniers espoirs. J'ai laissé mes petites lunettes de vue, probablement entre deux chaises. On a eu pas mal de lunettes qui nous sont revenues, donc je vais vous ramener le bac, j'arrive tout de suite. Vincent s'occupe des objets trouvés. Elles étaient légères et très pratiques, donc si je les retrouve, je suis contente. C'est quoi ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là ? Non. Désolée, madame. Au revoir. Vous n'avez pas fait une heureuse, là ? Bah non, là, aujourd'hui, non. Malheureusement, non. C'est un peu dommage. On y était presque, hein. C'était la bonne forme, c'était tout, mais apparemment, non. Voilà, la livraison du jour. Ça va, Sophie ? Ouais, ça va. Vincent ramène la moisson du jour, les objets trouvés en gare et dans les trains. Et chaque arrivage a son lot de surprises. Portefeuille, étui à lunettes, pas mal de papiers d'identité.
Ah oui, alors ça, c'est le chef d'escale qui m'a prévenu. Dans cette petite trousse-là, apparemment. Il y a du lourd. Ouais, là, on peut le dire. Et ça, pour une fois, ça n'a pas l'air d'être du toc. Une montre et un bracelet de très grande marque. Une bague Certi Art Déco. Quand même, hein. Une broche en diamant. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand on fait les statistiques à la fin du mois, on tourne entre 25 et 30% de restitution. Donc ouais, ça reste quand même assez faible par rapport à tous les objets qu'on reçoit. Passeport. Les voyageurs étourdis n'ont que 2 mois pour récupérer leurs biens. Au-delà, les objets sans valeur sont détruits et les autres vendus aux enchères par l'État. Comme chaque jour, Vincent a ramené plusieurs téléphones portables. Il note tout ce qui permet de les identifier. Alors, fond d'écran. Fond d'écran, petit chien blanc. Voilà. Comme c'est mignon. Alors, c'est là que généralement, quand on commence à rentrer dans les bagages, il vaut mieux mettre les gants. Parce que ça nous est souvent arrivé d'avoir de très mauvaises surprises. On ouvre un sac ou une valise et puis là, oh, il y a le reblochon qui traîne depuis 2 semaines dans la valise. Donc, c'est pas très agréable généralement. Voilà. Des petites pantoufles bleues. Oh, c'est mignon. Vous êtes un peu des enquêteurs tous les deux. Bah ouais, un petit peu. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, après, on essaye d'être un minimum pudique. Hein. On dépasse pas certaines limites. Vous rentrez dans l'intimité des gens. Ouais, exactement. Ah oui, oui, ça c'est certain. On a un peu toute leur vie, quoi. Petit tour du propriétaire. On trouve de tout, du plus classique au plus insolite. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Donc on a vraiment de tout. Hein. Planche de skateboard, casque de moto. La semaine dernière, on a eu un sabre. Petit déguisement de magicien qui a été perdu. Alors ça, c'est le genre de choses qui nous brise le cœur. Les petits sacs comme ça qui appartiennent aux enfants. Ou voilà, comme celui-là. L'année dernière, d'ailleurs, on a eu une lettre d'une petite Juliette qui nous a brisé le cœur. Qui nous expliquait qu'elle était très triste sans son doudou et on ne l'a jamais retrouvé. L'un des objets les plus imposants qu'on nous ait ramené, on l'a pu, ça a été une machine à laver. Plus rien ne vous étonne. Ah si, 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 si. Il y a toujours une surprise. Il y a toujours quelque chose de surprenant, quoi. On se dit, ah, j'avais jamais eu ça avant. Retour à l'accueil. Derrière son comptoir, Vincent est en première ligne et doit souvent composer avec la mauvaise humeur des étourdis. Comme cette femme qui a égaré son téléphone portable dans un train. Le contrôleur a téléphoné pour me dire « le téléphone est à la gare de Lyon, ça fait une semaine que j'attends et maintenant on me dit qu'ils n'ont retrouvé aucun téléphone. » On vient de le recevoir ce matin. Oui, parce que... Avec un chien blanc sur un fond blanc. Exactement. On vient de le recevoir ce matin. Vous l'avez alors mon téléphone? Oui, hein. Là, je vous le ramène. Le fond d'écran avec le chien, ça a été utile. Ah oui, oui, ça c'est très utile, c'est important. C'est des signes distinctifs qui nous permettent de bien les reconnaître. Voilà. Ça c'est bien. C'est mon Milou. Voilà. Il s'appelle Milou. Ah oh, bah en plus. Merci, super. Bah, je vous en prie. Au revoir, madame. Merci. Bon bah au moins une histoire qui se finit bien. Bonsoir, monsieur. Vous avez fait une heureuse là. Oui, oui, et j'en suis très satisfait. Il est 6h30 à l'horloge de la gare de Lyon. Christian, le chasseur de tête, a réussi à voir ses 5 candidats sans perdre une seconde dans les transports en commun. Voilà. Merci, c'est fini. Merci. À la semaine prochaine. D'accord. Bonne soirée. Hein. Bon, ça va, moi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est à l'heure, le train? Pour l'instant, ça a l'air d'aller... Oui. Il est à l'heure. On peut encore avoir des surprises, mais il est à l'heure. Christian reviendra la semaine prochaine, gare de Lyon, pour rencontrer de nouveaux candidats. Pour lui, pas de doute, la gare doit être une ville dans la ville. Je verrais bien dans l'avenir pour une gare comme celle-ci, qui est quand même une gare importante, ce serait du presser un pressing, éventuellement un coiffeur, la pharmacie, elle y est, c'est très bien. Une pharmacie, une librairie, à la gare de Lyon, certaines boutiques existent déjà. Dans cette galerie, on trouve aussi des commerces de loisirs et une parfumerie. Mais d'autres gares parisiennes sont déjà allées plus loin. Saint-Lazare, en plein cœur de Paris, s'est offert un sérieux lifting. Après un chantier pharaonique de 10 ans, les voyageurs débarquent maintenant dans un espace de 10 000 m² de commerce et de services.
Fini les halls, salles de gare, bienvenue dans le temple de la consommation. On ne peut pas encore se faire soigner une dent en sortant du train, mais à côté de la pharmacie et de l'opticien, on peut déjà se faire faire une prise de sang. Il est 7h du matin au laboratoire de la gare. Jessie vient tout juste de débarquer de Mantes-la-Jolie. Une fois par mois, quand elle descend de son train, elle vient faire un prélèvement. C'est la suite de votre examen. C'est juste à la sortie de mon train. Donc dès que je descends du train, je vais au laboratoire. C'est assez rapide. Puis ça fait des mois maintenant que je viens ici, parce que je fais des prises de sang tous les mois. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis les résultats sont disponibles rapidement. J'ai entendu évoquer l'idée d'une crèche. Étant enceinte, ça m'arrangerait également sur le chemin. On pourra tout faire dans la gare. On pourra tout faire dans la gare, qui devient un lieu de vie. Et puis on pourra peut-être aussi à terme faire une crèche, effectivement. Puis alors, si on fait une crèche, on fera une école un jour. En dessous du laboratoire, on trouve aussi un cordonnier. C'est quoi les talons ? Pour les talonnettes. Les talonnettes, antidérapant, parce que je vous les voulez ce soir ? Ouais. En passant, on est là jusqu'à 20h. 20h, pas de soucis. Jusqu'à 20h, on peut les récupérer. Voilà. Quand ils viennent le matin, on est là pour les accueillir. Et le soir, on peut leur donner leurs chaussures. Ils peuvent récupérer dans la journée leurs chaussures. Ailleurs, gare de l'Est, il existe désormais une poste pour gagner du temps. Et à quelques mètres de la poste, plus surprenant, un coiffeur express. Et par contre, on se prend le train dans 25 minutes. Des épaissir ici. D'accord. Faire propre là. La nuque, oui, c'est là, un peu dégradé. Cacher la misère. Vous saviez qu'il y avait un centre de coiffure dans la gare ? Non, absolument pas. À première vue, ça peut être surprenant. Je pense qu'il faut essayer ce que je suis en train de faire. C'est des clients qui sont pressés, qui ont 10 minutes, un quart d'heure maximum, 20 minutes maximum. Ah oui, début, ils ne sont pas rassurés. Ça, c'est sûr qu'au début, 10 minutes, ça fait peur. Dans 10-15 minutes, j'ai même encore le temps de prendre un petit café. Merci monsieur, à bientôt. Nouvelle cliente pour Tounès, la coiffeuse à grande vitesse. Peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus. On est quand même appelé beaucoup à voyager. Maintenant, prendre le train, à être quand même assez mobile. Donc le fait de venir, de pouvoir venir entre deux trains, entre deux voyages avant de prendre le train, c'est pratique, oui. Oui, je pense que c'est... Ça a de l'avenir, ce genre de concept. Il est 1h du matin, gare de Lyon. Le train bleu ferme ses portes. Sur les quais, Maud Monge fait partir le dernier train de la journée. L'agent d'accueil en queue de la voie End November, on siffle et on ferme les portes. Allez, départ. Salut. La gare de Lyon va fermer pour 3h. Mais avant, Maud doit s'assurer que personne ne reste à l'intérieur de l'enceinte. La journée, c'est un domaine public, mais la gare redevient privée la nuit. Et comme c'est nous les responsables, on engage notre propre responsabilité. Civil et pénal, donc du coup on veille à ce que vraiment il n'y ait personne et qu'il n'y ait pas de problème. Avec les équipes de la sûreté ferroviaire, elle fait le tour de tous les halls. La gare va fermer. A little bit. The station will close. La gare va fermer. Je vais vous demander du coup de sortir par. Pour venir à quoi ? La gare a fermé. La Paris, la merde. La plupart de ceux qui restent sont des sans-abri ou des voyageurs étrangers. You speak English? English? The station will close. So you must go outside. Okay? Il treno per andare in Italia. Non, mais là c'est fermé. Close. Là le monsieur il se cachait dans le photomaton. Encore ça va, on voit ses jambes quoi, mais il y a des endroits où vraiment ils connaissent mieux l'air que nous parfois. Ça
suis la dernière personne qui pourra le voir sortir de la gare. Exactement, ouais, la dernière personne qui pourra sortir. Maintenant, c'est terminé. La gare est maintenant vide. Les équipes d'entretien ont 4 heures pour la nettoyer. Dernière mission pour Maud, faire partir le TGV Balai. Un train qui va inspecter les voies avant que le trafic ne reprenne. Il vérifie voilà, qu'il n'y a pas d'obstacle sur la voie, qu'il n'y a pas de... Voilà, quelque chose qui a pu tomber sur les voies pendant la nuit. Donc il n'y a pas du tout de voyageurs, il y a juste un conducteur dessus. Bonjour mademoiselle. Salut, ça va? Oui. T'es tout bon? C'est bon, je me suis annoncé. T'es bon au départ, tu t'es annoncé? Ouais. Si rien d'anormal n'est signalé sur la voie, les trains pourront à nouveau circuler dès l'ouverture de la gare à 4h30. La gare de Lyon a entamé sa mutation. La vieille dame du début du XXe siècle vient tout juste de s'agrandir d'une verrière ultra moderne. Elle est encore en chantier pour accueillir de nouveaux services et de nouveaux commerces. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie Dutilleul est l'architecte en chef de la SNCF. Ce matin, il tient une réunion de chantier avec deux chefs de projet. Donc on va pouvoir réviser notre copie, on va pouvoir vérifier que... savoir si tout se prépare bien pour l'arrivée. Bientôt, la gare se verra dotée d'une supérette, d'une épicerie fine et d'un espace pour enfants. De quoi la rendre plus agréable et la rentabiliser aussi. Les voyageurs arrivent en moyenne 50 minutes avant le départ de leur train. Ce sont des consommateurs potentiels, à condition de bien s'y prendre. On est quand même dans une gare, au centre de la ville, mais avec toujours cette idée de rassurer notre voyageur par rapport à ses trains. Donc toujours une visibilité par rapport au train, l'information voyageur rappelée, c'est-à-dire pour dire que le client a en permanence besoin d'être rassuré, de se dire « est-ce que je vais ne pas louper mon train ?» Roméo verra sa Juliette qui arrive, si jamais il lui a donné rendez-vous au café, il peut la voir avant qu'elle arrive, ce qui est quand même le moment le plus agréable, n'est-ce pas ? Pour trouver de la place dans une gare déjà saturée, les architectes ont construit cette mezzanine pour retenir une partie des 100 millions de voyageurs qui passent ici chaque année. C'est les gens auxquels on porte le plus d'attention possible et on leur offre ici du soleil, de la hauteur pour la foule. Quand on est 1000, on ne peut pas vivre sous 2 mètres de plafond, ça ne marche pas. Voilà. On absorbe le son, toutes ces petites planches, il y a des petits trous dedans pour que lorsque le son arrive, il soit absorbé et qu'on n'ait pas d'effet de réverbération trop important. Donc là, ils n'ont rien changé sur les plans de table et tout. Le bar, il est bien toujours là. Voilà. Donc ici, rien n'a changé en fait. De l'homme d'affaires au père de famille, du touriste au voyageur de train de banlieue, il faut penser à tous ceux qui traversent la gare. Et on peut s'installer là, un peu à l'écart de la grande foule, pour que les enfants puissent s'ébattre en attendant le train, par exemple, ou en attendant quelqu'un qui arrive du train, d'ailleurs, parce que cet endroit, c'est pour des gens qui partent ou des gens qui viennent chercher aussi des voyageurs. On va avoir des hôtesses qui vont permettre d'offrir des services complémentaires, de photocopies, de coursiers, des équipements tactiles, donc pour se connecter sur Internet, du Wi-Fi gratuit. Donc il y aura un certain nombre de services utiles pour les grands clients d'affaires qui vont leur permettre d'optimiser aussi leur temps de passage en gare. Des gares qui sont devenues aujourd'hui de vrais lieux de vie. Je pense que dans le quartier, on vient déjà d'ailleurs acheter son journal ici, on vient déjà acheter ses cigarettes. On pourra venir aussi, quand on est dans le quartier, acheter ce dont on a besoin. Je pense que c'est bien aussi que la gare soit une espèce de place publique comme ça de la ville, que la ville rentre dans la gare. Voilà. C'est ça qui fait sa magie. À côté de la toute nouvelle verrière, la salle des guichets est le futur chantier. Elle abrite une superbe fresque. Sur 100 mètres de mur, un artiste y a peint en 1900 une représentation de toutes les villes accessibles par le train depuis la gare de Lyon. Il faut vraiment être ici pour les voir, quoi. Voilà. À partir d'ici, on a la vue complète. Aujourd'hui, on ne voit plus cette œuvre-là parce que... il y a les plafonds des commerces qui sont en bas qui ont avancé. Et donc, par un effet de perspective, ça coupe
le bas de la fresque. Si on se met au bout de la salle et qu'on demande aux gens ce qu'ils ont vu sur la droite, là, je pense qu'il y en a 1/10 qui l'a vu. Le reste passe parce qu'ils voient les trains là-bas et que c'est ça qui les intéresse. Moderniser tout en respectant l'histoire des lieux. C'est le casse-tête de Jean-Marie Dutilleul. Aujourd'hui, il s'agit dans cette salle de recomposer autrement les éléments nécessaires à la vie moderne et les éléments de patrimoine. C'est ça le sujet. Il s'agit de continuer l'histoire. C'est-à-dire que on a conscience que maintenant la SNCF est dépositaire d'un patrimoine historique dans lequel elle fait rouler le TGV, quoi, et que c'est l'articulation de ces deux éléments-là qui fait le plaisir du passage en gare. À quelques centaines de mètres de la galerie des fresques, le long des voies, on travaille à changer la mauvaise réputation de la SNCF en matière de gastronomie. Derrière ces fenêtres, on a convoqué des voyageurs. Véronique, Sacha et les autres se sont portés volontaires pour tester la carte des nouveaux plats qui seront servis à bord des trains. Stéphanie travaille pour le prestataire qui fournit les TGV. Chaque année, elle organise plusieurs dégustations comme celle-ci. En fait, un jour, je trouvais que ça s'était amélioré, la qualité dans le train. Et puis tout d'un coup, ça a rechuté. Donc j'ai rouspété, j'ai écrit. Et puis d'emblée, on m'a invité à participer à ce panel. Moi, je trouve ça très bien. La station ferroviaire souffre un petit peu de l'image du sandwich SNCF d'il y a très longtemps, en fait. Alors, pour que le sandwich SNCF ne soit plus qu'un lointain souvenir, on essaie de se remettre en question avec des plats de plus en plus élaborés. Mais ça commence mal pour les carottes andalouses. Le goût des agrumes ressort un petit peu trop. Ça dénature un petit peu les carottes et c'est un peu trop acide. Je trouve qu'on ne distingue pas trop bien les choux des carottes et que les raisins n'ont pas beaucoup d'intérêt. Nourrir en effet tous les Français, puisque la France entière est représentée sur TGV, c'est la plus grosse difficulté. Il faut trouver des produits qui soient consensuels mais qui aient du goût. Donc il faut vraiment trouver un équilibre qui est extrêmement subtil. Les voyageurs donnent une note après chaque dégustation. Un produit doit obtenir au minimum 6 sur 10, sinon il est éliminé. C'est au tour maintenant des plats chauds. Alors celui auquel je crois, ça va être celui-là, le risotto champignon des bois. Celui auquel j'ai plus de doutes, c'est ça, non pas pour la recette, mais pour la tenue, pour la cuisson des pâtes. Alors on va passer au premier plat chaud, donc les penne, bacon et parmesan. Les penne, bacon et parmesan, c'est le plat auquel Stéphanie ne croit pas. Et le verdict est conforme à son intuition. Je trouve que ça n'a pas trop de goût, malgré le fait qu'on dise bacon et parmesan. Et puis la petite pointe de verre, c'est un peu de la triche. On pense que c'est du basique, mais ça n'en est pas. Ça n'a pas de goût. Bon, je trouve ça un peu moyen. Alors moi, j'ai mis 7. J'aime bien le croquant du bacon que j'ai retrouvé. Par contre, le parmesan, je pense qu'on ne sent pas tellement. Tous les produits ne sont manifestement pas les bienvenus à bord du TGV. Il y a certains produits qu'on évite effectivement dans le train. Par exemple, le poivron, c'est un produit qui est vraiment assez... des gens qui n'aiment pas du tout. La cannelle en fait partie. Le curry, ça fait peur, en fait. On a besoin d'un peu de réconfort, en fait, dans un monde stressant à bord du train. Et il faut des choses, des repères. Le risotto aux champignons des bois, c'est le plat favori de Stéphanie. Elle espère qu'il fera l'unanimité. Oui. Ça, c'est très clair. On va voir s'ils sont des cèpes ou des chanterelles. Très bon. Ah, oui. J'ai eu 10. 10 aussi. Ah oui, moi aussi, oui. Ah. Oui. Il reste fidèle à son hommage. C'est pas mal. Ouais. Non, il y a du goût. C'est très bien. Vous commencez pas à caler, Sacha, là. Un petit peu, j'avoue. Je reconnais que, initialement, je m'étais dit, je picorerais simplement. Puis finalement, on se laisse aller à manger un petit peu plus qu'on le pensait. Puis comme il y a
malgré tout un certain nombre de plats à tester. Au bout d'un moment, effectivement, on commence à ressentir l'effet de tout ce qu'on a mangé. Au moins, on a un petit effet de réveillon. Il est 10 heures du soir, la dégustation dure depuis 2 heures déjà. Et de plat en plat, la nuit est tombée sur la gare de Lyon. À 1 km de la dégustation, le long des voies, le Technicentre, l'atelier de maintenance des TGV. Demain, c'est jour de grand départ. Plusieurs centaines de milliers de voyageurs vont emprunter les trains en direction du soleil. Alors ce soir, tous les mécaniciens sont mobilisés. Chaque rame doit être passée au peigne fin. Claire Le Corvec est responsable des équipes de nuit. Elle doit maintenir la pression pour que chaque réparation soit faite dans les délais. Ici, c'est un problème de frein. On avait une plaquette qui ne desserrait pas en fait. D'accord. Là, je vais aller faire un dernier essai. Un dernier essai, puis ensuite c'est terminé. Ouais, c'est d'accord, fini, ouais. Ok. Bon, bah, très bien. Une opération à traiter en urgence. À 300 km/h, un TGV met 3 km pour s'arrêter. Toute la nuit, Claire organise le balai incessant des TGV qui entrent et sortent du dépôt. Au total, cette nuit, plus d'une cinquantaine de rames passeront par l'atelier. Ben là, ça y est, l'atelier va être plein. La 205, donc la rame de niveau 205, elle vient remplir l'atelier. Donc le challenge, c'est plus de rames demain soir. S'il reste encore des rames, c'est un signe que probablement la régularité ne sera pas au rendez-vous. La régularité, le nerf de la guerre à la SNCF. Et plus encore cette nuit. À la veille d'un week-end de grand départ, chaque retard entraîne des perturbations en cascade. Au même moment, une autre équipe part inspecter l'intérieur des rames. Ah, je suis bon là. Patrice Gallu et Alexandre Humbert sont responsables du confort et de la sécurité des voyageurs dans le train. Leur rôle, tout contrôler voiture après voiture, de la propreté des toilettes chimiques. On sèche, je lave même. À la bonne fermeture des portes. On ne peut pas se permettre de rouler à 35 km/h avec une porte qui ne tient pas. Donc il faut savoir que le moindre dysfonctionnement au niveau des portes d'accès, le TGV ne partira pas. Il partira que lorsque toutes les portes seront fermées et verrouillées. Les TGV n'ont aucun secret pour eux et rien n'échappe à leur vigilance. Il faut leur dire. Mais les places 67. Ah bah là, ça a pris un coup de couteau. Voilà. Le genre de dégradation qu'on trouve sur nos rames. Bon, ça fait mal au cœur, hein, c'est tout neuf. Et ça c'est une opération urgente en période de grand départ ou ça peut attendre? Si on a le temps de le faire, on le fait. Alors, après, si on a une clim à traiter, il est clair que la clim sera prioritaire. Pourquoi? Parce qu'une climatisation, c'est une remorque, c'est 32 personnes, 32 clients. Là, c'est vrai que c'est pas joli, mais bon, à la limite, on peut essayer de le coller et de le cacher. Ça va gêner un client. Le problème suivant est justement une panne de climatisation. Une carte électronique défectueuse prive la rame d'air conditionné, impensable en période estivale. À la clim, s'il n'y a pas de clim, c'est 40 à 50 degrés dans la remorque. Ce serait pas supportable pour nos clients. Non, on va prendre un exemple, on va partir de Paris avec un 17 degrés. On va arriver 3 heures après à Marseille, 35 voire 37 degrés. Là déjà, on a chaud, on n'est pas en ligne, il fait nuit. Deux journées, c'est pas supportable. Et évidemment, le temps presse. Il faut qu'elle sorte la rame. L'inspection continue cette fois pour un problème dans la cabine du conducteur. Bonjour Pascal, bien, ça va? Ouais, c'est bon. Et sur un train à grande vitesse, chaque détail compte. En fait, la fenêtre, donc c'est super important parce que donc en fait, donc le TGV à 300 km/h, si le joint en fait là, il est pas bien plaqué, il est pas bien en place. En fait, il y a de l'air qui rentre, puis ça fait des sifflements à l'intérieur de la rame, et puis le conducteur est obligé de ralentir la vitesse. Quoi. Comme les trains se suivent, ça réduit la vitesse de tous les trains qui suivent. Donc voilà, un tout petit problème comme ça peut avoir des retards, surtout toute la ligne. Toute la ligne, quoi. Il reste le WC handicapé, là, la porte, et puis après vous ramenez la rame. Ouais. Ok. Parce que là, ouais, ça, que... c'est quoi, ça pressait. Il est 4 heures du matin. Nous retrouvons Claire. Le premier TGV quitte le Technicentre.
La veille d'un grand départ, le Technicentre traite en moyenne 30% de TGV en plus qu'un week-end classique. Cette nuit-là, aucune fausse note. Toutes les rames sortiront en temps et en heure, prêtes à emmener les vacanciers au soleil. Vendredi, 5h40 du matin, la gare vient à peine d'ouvrir. C'est le premier week-end de grand départ estival. 320 000 clients sont attendus. Pour l'instant, les quais de la gare sont encore vides. Tout est calme en surface, mais quelques mètres plus bas, sous les quais, une équipe de la sûreté ferroviaire pénètre les entrailles de la gare. Des kilomètres de galeries souterraines qu'il faut surveiller en permanence. Faut savoir éviter les tuyaux, les fils pour éviter de se cogner. Un dédale de tunnels qui abrite les installations électriques de la gare. Un lieu hautement stratégique, particulièrement en ce jour de grand départ. Donc là, vous avez tous les câbles électriques qui alimentent la gare. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très sensible parce que si ces câbles sont endommagés, la gare fonctionne plus, quoi. Il y a quelques semaines, un départ de feu a provoqué des pannes de signalisation dans toute la gare. Il était dû à des branchements sauvages improvisés par des squatteurs. Là, il y a visiblement quelqu'un qui a installé ses cartons pour pouvoir passer la nuit tranquillement ici. Il faut noter la porte et venir vérifier de nuit, voir si quelqu'un revient ou pas. Un peu plus loin, un autre point sensible. Là, en fin de compte, c'est tout ce qui est sonorisation de la gare. S'il y avait un squatteur qui débrancherait ne serait-ce qu'un câble, hein, ça pourrait impacter sur tout ce qui est sonorisation de la gare, donc les annonces des trains à l'arrivée, au départ. Donc si la sonorisation de la gare est impactée, il n'y a plus un train au départ, quoi, en fin de compte. À quelques mètres de là, toujours en sous-sol, on s'active déjà. Les départs en vacances, ce sont davantage de trains, encore plus de clients que d'habitude, et donc forcément plus de sandwichs à préparer. Ici, on fabrique pour tous les points de vente à l'intérieur de la gare. En tout, une quinzaine d'employés sont sur le pied de guerre. Ce matin, c'est Josiane qui est aux commandes. D'accord. Là, il faut qu'on ait tout soit en place à partir de 11h. Tous nos sandwichs, il faut qu'ils soient déjà mis pour atteindre nos clients. Après, on enchaîne. Parce que là, on est là jusqu'à 14h30. Ça carbure, là. En production, ça carbure. Aujourd'hui, ils vont fabriquer près de 4000 sandwichs et les vacanciers ont leur préférence. La star des sandwichs, c'est le jambon fromage avec le fameux pain whisky. Ça, on fait peut-être 1500 à 2000 à la chaîne. Depuis ce matin, il a commencé depuis 6h moins le quart, il est dans les mix. Hein. Et la cadence n'empêche pas la bonne humeur. Tu le moques comme ça ? Là, on est sous le pont, on s'entraîne, on est dans la joie et la bonne humeur. On n'a pas mis la musique pour danser, mais ça ne va pas tarder. Tous les sandwichs seront consommés dans les 3 heures qui suivent leur fabrication. Retour à la surface. Il est 6h30, les premiers voyageurs arrivent en gare. Deux fois par an, les grands départs, c'est un rituel immuable pour ces vacanciers pressés de rejoindre le soleil. Pour le personnel de la gare, en revanche, c'est chaque fois le même défi. Tout va bien, vous êtes prêts? N'hésitez pas à aller à la rencontre des gens. Un seul mot d'ordre, faire partir les trains à l'heure. La priorité du jour, ce sont les colonies de vacances. Ce week-end, 680 groupes sont attendus gare de Lyon. Sur le parking bus, c'est Hakim qui les prend en charge jusqu'à leur montée dans le train. Bonjour les jeunes, vous allez bien? Vous vous occupez de ce groupe? Je vais vous demander simplement 2 petites minutes d'attention et après je vous laisse tranquille. Un agent SNCF aux allures de moniteur de colo qui sait habilement faire passer les informations de sécurité. Donc je vais vous demander de rester en groupe
On n'est pas à l'école, donc je vais pas vous demander de rester deux par deux, main dans la main. Mais restez quand même assez groupés. Par contre, personne ne me dépasse. On y va ? Là, par contre, on va être resté bien groupés parce qu'il y a déjà les clients qui sont là. Alors, vous êtes en voiture numéro 8. Donc, parfois, on fait quelques petites animations pour les détendre, on les amuse. On leur fait des petites blagues parfois. Parfois, c'est eux qui nous font des blagues. Et en fait, ça leur permet, avant le train, parce que parfois, ils prennent 2, 3, voire 4 heures de route, ça leur permet d'être détendus. Ça leur permet, après, quand ils rentrent dans un endroit confiné, de ne pas être trop, si je peux me permettre, excités. Donc, pour que les clients ne soient pas trop usés au niveau des oreilles. Mais ils me semblent relativement calmes. Ils vont être tranquilles. Je me trompe ? Ah non, ils ont l'air fatigués, d'ailleurs. Donc, bah, si tout le monde est prêt, on va monter à bord. Donc, vous êtes en voiture 8. C'est vous accompagnant. C'est parti. Sur les places. Les autres voyageurs commencent à arriver et il faut faire vite. Je vais te donner juste là-bas. On fait une chaîne et on les dépose juste là-bas. Comme ça, il y aura déjà la moitié qui sera sur le haut. On fait une petite chaîne. Ça va, leurs valises sont là. Tous les enfants sont à bord. C'est le principal. Si tous les enfants sont à bord, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour éviter des retards, les portes sont fermées 2 minutes avant le départ. Dépêchez-vous, madame Ipa. Une règle stricte, surtout en cette journée chargée. Tant pis pour les retardataires. Inutile de chercher à négocier. Difficile à comprendre pour cette vacancière. Vous arrivez de où, madame ? De Rouen ? Vous allez où, madame ? À Béziers. Je vais vous dire le prochain train également. Il est encore là, vous pouvez faire le retard des 200 minutes. Non, regardez, madame, toutes les portes sont fermées. En fait, si vous les réouvrez, ça va faire un retard énorme. Pour éviter le retard, on était obligé de refuser l'accès à madame. On aurait passé un gros retard là. Après, il aurait fallu réenclencher, donc ça aurait pu faire 5-6 minutes. Et après, ça aurait pu engranger un retard de plusieurs dizaines de minutes à l'arrivée, c'est pour ça. Je vous rappelle qu'il est interdit de fumer dans l'enceinte de la gare et sur la totalité. Tout incident en gare remonte ici. Au centre opérationnel, la tour de contrôle de la gare de Lyon. Une fourmilière qui fonctionne 24 heures sur 24. Ses agents veillent à la ponctualité des trains. Oui, tiens, il y a un souci au Cascaine. Ils n'ont plus rien, ni internet, ni rien. Si tu les positionnes, tu fais attention de laisser de la place pour accéder au quai parce qu'il y aura encore des flux vu qu'on a un train à l'arrivée et qu'il y aura les tracteurs qui vont passer à proximité. La régie, on part sur 15 minutes sur 69.05. 7h37 plus 15. Nous vous informons qu'en raison d'un incident technique, les TGV numéro 6191 et 6905, départ initialement prévu à 7h37 à destination d'Avignon Centre et Grenoble, subiront un retard de 15 minutes environ au départ. Le 6151. La pièce maîtresse de ce dispositif, c'est Vincent. On l'appelle le chef d'escale. C'est lui qui gère les arrivées et les départs de tous les trains. Sur ses écrans, il contrôle tout ce qui se passe dans la gare. Sur cette carte, il visualise en temps réel tous les TGV en circulation. Les trains à l'heure sont marqués en vert, les trains en retard en rouge, la couleur maudite. La vitesse de la ligne à grande vitesse est passée de 270 à 300. Donc tous les trains sont vraiment, pas touche-touche, mais ils sont à l'espacement minimum. Et on a moins de temps pour rattraper les retards qu'avant. Des trains espacés de 4 minutes seulement. La marge de manœuvre est extrêmement réduite. Vincent doit tout anticiper, comme ce coup de fil par exemple. Au téléphone, le responsable d'une colonie de vacances. Ça peut peut-être pas être possible. Hein. Un de ces deux bus est tombé en panne, la moitié de son groupe va donc arriver en retard. Retarder le train ? Non, je crois pas. Non, non, non. Si. On retarde pas les trains, malheureusement. Dans sa carrière de chef d'escale, Vincent a presque tout entendu. Ce groupe, manifestement, doit prendre le 10h19.
Il me demande de retenir le train. Voilà, il compte arriver vers 40-45. Ça vous fait rire ? Un peu, oui, parce que souvent on a des clients qui nous demandent rajouter une rame, retenez le train. Je pense pas qu'ils se rendent compte vraiment de la vie d'une gare. Une partie du groupe est déjà arrivée en gare. Vincent descend retrouver la responsable sur les quais. Si je comprends bien, je trouve 25 places sur le train suivant. C'est ça ? Direction la vente des billets. Vincent va tenter de trouver des places dans un autre train. Une mission quasi impossible en période de vacances. 58. Tout est complet. Et après, enfants de moins de 12 ans. Ouais, bah, j'ai rien, rien, absolument rien. On essaye de faire le maximum dans la mesure du possible, mais là, on n'a rien à vous proposer. Désolée, au revoir, bon courage. Toutes ces démarches ont pris du temps. À force d'attendre, la moitié du groupe qui était à l'heure est maintenant en retard. Le TGV va partir. Ils parlent où, madame ? Ici, ils vont nous attendre quand même. C'est eux qui vont retarder. Attention au départ. Ils n'ont plus qu'une minute pour monter à bord. Le train est déjà en retard. Non, ils partiront une prochaine fois. Non, je rigole, ils prendront sûrement le car dans la journée. C'est moi, là, vous avez mis un train en retard quand même. Documenté vacances. L'autre partie du groupe réussira finalement à rejoindre Marseille. Si, une fois les portes fermées, personne ne peut plus monter dans le train. Ok, c'est bon pour moi là-bas. Quand un voyageur se trompe de destination, comme cette Anglaise, on lui permet de descendre. Le choc de bord à la voie 13. Dis-moi, il y a une dame qui s'est trompée de train. Bah, essaye d'ouvrir la porte, là, il y a une temporisation. Vous partez sur quel train, madame ? Un EC. Dépêchez-vous de descendre. Car ce que l'on redoute le plus les jours de grand départ, c'est qu'un voyageur mal embarqué tire la sonnette d'alarme pour descendre. Le train est alors immobilisé en pleine voie. Et au poste d'aiguillage, c'est aussitôt le casse-tête. Qu'est-ce qui se passe, voie 1 ? Il y a le voyant parti qui clignote sur la voie 1. Donc c'est censé être un signal d'alarme, je pense. Un train vient justement d'être arrêté. Et pour éviter une collision, Xavier, l'agent de circulation, est obligé de stopper une partie du trafic en gare. Un signal d'alarme, un voyageur s'est trompé de train. Voilà, donc le temps de remettre le signal d'alarme en place, de refaire les procédures de départ, ça va prendre 2 à 3 minutes. Après, si le problème persiste trop longtemps, ça fait effet de boule de neige. Après, ça peut entraîner des retards de 10 minutes ou un quart d'heure. C'est le genre de choses qui arrivent très couramment, oui. Surtout dans les grands départs, les gens sont un peu stressés, ils se trompent de train, ils se trompent de voie, ça arrive très souvent. Direction informe, donc ça reprend normalement sur la voie 1. Le postesse à la voie pour le poste 1. Le postesse à la voie, je t'écoute. Allez, le problème est résolu, on va t'ouvrir. Après quelques minutes d'interruption, le trafic reprend. Le grain de sable est évacué pour le moment. Plus de peur que de mal. 18h19, une bis. Ici, on oriente 200 trains par jour. Chacun de ces leviers commande un itinéraire. Aux manettes, Harvey, 24 ans. À l'heure de la fibre optique, c'est toujours une mécanique des années 30 qui est utilisée pour régler le trafic. C'est l'un des derniers postes à levier de la capitale. Mais c'est vrai que c'est rustique, ouais. Parce que quand même, quand on voit l'aspect... Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et bon, après, c'est clair qu'avec la technologie, il y a un moment où on va devoir abandonner cette technologie-là pour passer à tout ce qui est informatique. Mais en tout cas, là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas à se plaindre. Comme les contrôleurs aériens, les aiguilleurs ont en charge chaque jour la sécurité de milliers de voyageurs. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, ouais, quand même, on transporte du monde, quoi. Et faut assurer, quoi. C'est tout. Hein. Faut pas faire en sorte que ça arrive à l'heure, que ça parte à l'heure. Pas le droit à l'erreur. Ouais, pas le droit à l'erreur. Ah non, c'est pas des vacances, non.
On envoie les autres en vacances, mais nous, on reste là. Retour en gare. Il est midi 20. Pour les vacanciers, c'est l'heure du déjeuner. Et comme prévu, les sandwichs ont la cote. Au train bleu, c'est tout le contraire. Sous les dorures, aucune agitation. Ici, au mois d'août, le chiffre d'affaires est deux fois moins élevé qu'en décembre. Michel, le directeur, n'a aucun problème pour placer les clients de midi. Une salle principale, on l'a mis en confirmé, on la bloque. Ouais, bloque-là. Bloque-là, on ne sait jamais combien, pas beaucoup, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Ok, donc rien de particulier. Même si ça peut bouger dans la gare pour nous, ça ne va pas trop bouger. Les gens qui partent ne sont pas spécialement notre clientèle. Le restaurant commence à se vider, les gens partent en vacances, donc pour nous, le calme commence à arriver. Alors, pour faire tourner ces cuisines, les jours de grand départ, le directeur a trouvé la parade. Proposer à ses clients des paniers pique-nique à déguster dans le train. On n'aime pas manger les sandwichs et qu'on adore venir au train bleu chercher nos pique-niques. Voilà, nos paniers pique-nique. Quel est le menu aujourd'hui alors ? Alors, aujourd'hui, nous avons foie gras, salade. Blanc de volaille avec artichaut, haricots verts, tomates. Vous avez de l'opéra et du fromage avec petite salade. C'est nettement meilleur et plus sympathique surtout. Vous mettez dans le même sac du coup ? Non, c'est merci. Ouais. Plus sympathique, mais merci. Plus cher aussi. 22 euros le panier. Les voyageurs les plus pressés mangeront eux dans la voiture bar de leur TGV. Et là encore, tout est préparé en sous-sol. Rendez-vous dans un lieu hautement stratégique. Un entrepôt de 2000 mètres carrés. C'est ici que sont conditionnés tous les produits vendus à bord des TGV. Chaque jour, des camions déchargent des palettes entières de boissons et de plats cuisinés. Patrick Lajugy est l'un des responsables de cette logistique impressionnante. Un client qui monte à bord d'un TGV, il ne peut pas s'imaginer tout ce que ça représente comme mise en place pour simplement, tout à fait normalement, avoir à disposition une bière fraîche, un sandwich. Ici, c'est le cœur ferroviaire, c'est une des plus grosses gares de Paris. Donc, bien évidemment, au niveau de la restauration ferroviaire, c'est le marché le plus important, celui qui est le plus porteur. Ça représente à peu près 20% de plus que Montparnasse, deux fois plus que la gare Saint-Lazare, trois fois plus que la gare de l'Est. Et donc, ça travaille de 6h du matin jusqu'à 22h pour alimenter tous les TGV. Toute la journée est rythmée par le va-et-vient des chariots. Le stock de marchandises est immense. Donc là, du vin rouge. Là, vous avez des chips. Là, on a des cakes. Ça fonctionne très bien, les cakes aux fruits. Des jus de fruits pour l'accueil des clients de la première classe sur les TGV. Tout ce qui va monter sur un train est stocké ici. Voilà, l'équivalent d'un train en ligne. Et vous avez chaque train comme ça qui est positionné et qui va être livré ici. C'est la course contre la montre un peu. Oui, en tout cas la montre est un instrument dont on se sert beaucoup. La montre est aussi un outil indispensable pour Sherazade. Elle est barmètre dans le TGV. 30 minutes avant le départ de son train pour Nice, elle vient faire un rapide inventaire des produits. Pardon ? Salut les chefs ! Je viens pour le 6181, s'il vous plaît. Son but, s'assurer qu'elle a de quoi nourrir tous ses passagers. Une rupture de stock, concrètement, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on a vraiment augmenté la dotation de façon à pouvoir pallier à d'éventuelles ruptures. Mais concrètement, là, sur mon Paris-Né, je suis tranquille, c'est pas jouable. C'est bon, les garçons ! C'est parfait. On peut charger. Oui, il faut aller vite, sachant que le train part dans une demi-heure, donc va falloir qu'on speed un petit peu là, oui, ça c'est sûr. Je monte avec toi, tu m'emmènes ? Bon, super. Il faut maintenant traverser toute la gare. Pour éviter de devoir se faufiler au milieu de la foule, le chariot arrive sur le quai avant l'annonce de la voie aux voyageurs. À
c'est la course, là. C'est la course, sachant que le train part dans à peine 15 minutes. C'est la course. Et vous avez vu, les quais sont bondés, donc c'est la course. Il faut être prêt au départ du train. Donc on court, on court. Les jours de grand départ, au lieu d'avoir 4 tiroirs de croque-monsieur, on en aura 8. Au lieu d'en avoir 5 de dessert, on en aura peut-être 10. Alors, contrairement aux voyageurs du train, non, je ne pars pas en vacances. Et non, je ne suis pas frustrée. Parce que je le fais avec grand plaisir et que j'aime ça. Donc non, c'est une satisfaction. Je rentre demain, à 19h, je serai à Paris et on recommencera le dimanche. Et ça fait partie du métier. À l'autre bout du quai, un homme prend lui aussi le train pour Nice. Contrairement à Sherazade, il monte toujours en tête de voiture. Christophe est conducteur de TGV. Voilà, là j'ai l'autorisation de départ, donc on peut partir. À l'heure. Le train passe devant le poste d'aiguillage, puis quelques mètres plus loin, devant le technicentre, où il a été révisé la nuit précédente. Faire rouler un train à grande vitesse demande une attention soutenue. Durant tout le trajet, Christophe ne nous regardera pas pour ne pas quitter les rails des yeux. Je suis vigilant pendant 5 heures, mais c'est une habitude. Hein. Puis si on est conducteur, c'est qu'on a été détecté psychologiquement pour pouvoir faire ce métier. Christophe est l'un des conducteurs les plus chevronnés du réseau. En 12 ans, il a parcouru plus d'1,5 million de kilomètres sur TGV. Cette ligne, il la connaît par cœur. On roule déjà 100 km/h, on est en train de passer le périphérique. Hein. On va continuer à accélérer, progressivement. Son train n'est pas encore entré sur la ligne à grande vitesse. Pas question pour l'instant de rouler à 300 km/h. C'est la machine qui contrôle l'homme. Si je vais trop vite, l'automate me prend en charge et arrête le train. On commence à s'éloigner de Paris à grande vitesse, hein, puisque on est à plus de 50 km déjà de Paris. Donc après la sortie du tunnel, je vais arriver à la première ligne à grande vitesse qui a été ouverte en 1981. La plus longue ligne TGV de France, 730 km de grande vitesse de Paris à Marseille. Voilà, maintenant je suis autorisé à rouler à la vitesse de 270 km/h. Je sollicite l'engin au maximum de ses possibilités pour atteindre la vitesse de 270 le plus rapidement possible. Le TGV est maintenant lancé à toute allure. À cette vitesse, la moindre erreur peut être fatale. Alors toutes les 50 secondes, une sonnerie retentit dans le cockpit. Un système de sécurité qui équipe tous les trains. On appelle cela la commande de l'homme mort. Je dois avoir un appui permanent et quand la sonnerie retentit, je relâche l'appui. Ça veut dire que je suis là et ça veut dire que je suis actif. Si je n'agis pas sur le bouton, le train s'arrêtera tout seul. Ça veut dire que le conducteur, pas moi en l'occurrence, je suis en défaillance physique. Pourtant, il y a un événement qu'aucun système de sécurité ne peut prévenir. Le suicide. On en dénombre plus de 300 par an sur les voies. La hantise de tous les conducteurs. Au cours de sa carrière, Christophe en a vécu deux. Une expérience qui reste pour tous les conducteurs, une expérience malheureuse, traumatisante, hein, et qui laisse dans tous les cas des traces. Il faut des années pour arriver à vivre avec. On ne l'oublie pas, on vit avec. On ne peut rien faire, hein, donc de tous les cas. Le train n'est qu'un instrument, comme le peut l'être une corde ou des barbituriques. C'est un instrument, c'est tout. Après 4 heures de route, le TGV de Christophe arrive enfin sur la Côte d'Azur. Encore 1h30 avant le terminus, à Nice, où nous retrouverons Christophe pour la nuit. Retour à la gare de Lyon.
La période estivale est un paradis pour les voleurs. Une équipe de sécurité vient justement d'en repérer un à bord d'un TGV au départ. Frédéric, monsieur Pickpocket, est aussitôt appelé sur place. Quelle voie, quelle voie? Vers où, vers là? Ah, j'arrive de suite. Trop tard, l'individu est déjà parti avec une valise volée. Probablement celui qui est à la gare soit allé sur un autre train, donc on va les suivre. Frédéric reçoit un deuxième coup de téléphone. Le voleur vient d'être vu en gare souterraine. Donc je prends la salle med. D'accord, ben on le chope en bas. On le chope en bas. Quoi? Quoi, monsieur? Quoi? Vous vous regardez, monsieur? Attends. Allez, viens. Viens, dépêche-toi. Oui, attendez, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Mais non, il n'y a pas d'explication à avoir. Tu descends la victime, tu nous rejoins, salle Méditerranée. La valise volée, la voici, elle appartient à cette jeune voyageuse. Bah, je suis montée dans le train, j'ai posé ma valise, j'ai pris ma place et on est venu me chercher en fait. Ouais. Comme quoi la valise n'était plus là. Ouais. Alors vous la piquez comme ça? Oui. Direction le commissariat où la jeune fille croise son voleur. Tout s'est passé très vite. Très vite et très bien. Pas de soucis. Ben, la jeune femme s'est fait dérober un bagage dans le train. Jean-Marie m'avait juste appelé pour me dire qu'il y avait un client entre guillemets dans le TGV. Le temps qu'on arrive, Jean-Marie m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait flagrant délit, donc il avait volé une valise. Et donc on a attendu les escaliers pour l'interpeller sans souci, sans problème. C'est la première fois, là. Je vous assure, c'est pas mes habitudes là. Même je fume pas. Je préférerais que tu fumes et que tu voles pas. Non, excusez-moi. L'homme est finalement placé en garde à vue. Frédéric, lui, raccompagne la victime jusqu'au quai. Merci beaucoup. Bah, c'est avec plaisir. Bon voyage. Merci bien. Et attention à vos bagages. Pas de problème. Merci. Au revoir. Je suis en présence d'une victime qui est au commissariat. Je l'associe toujours à quelqu'un de ma famille. Et je me dis, c'est vraiment dommage, quoi. C'est un gâchis. Et ça, oui, ça, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive. Ce sont les victimes. Et non pas faire un maximum de pickpocket. Nous, ce qui nous est demandé, c'est que les clients soient en sécurité. C'est tout. À l'autre bout de la France, Christophe lui arrive en gare de Nice. Il est 22h. Fin de notre parcours. Avec un léger retard. Voilà. Nice, terminus. La rame n'est maintenant plus sous sa responsabilité. Christophe va pouvoir enfin se détendre et retrouver ses collègues arrivés plus tôt dans la journée. Bonsoir. Ah tiens, allez, regarde, il arrive. Et Bernard, ça va? Vas-y. Et Christophe? Évidemment, on parle ponctualité. C'est un bon voyage? Bien, ouais, un petit peu de retard, rien de catastrophique. Hein. Dans cet hôtel habitué à recevoir des cheminots, on s'enregistre grâce à son numéro de train, avant même de donner son nom. Donc j'arrive au 6179, pour 6178 demain. Ouais. Bonsoir. Le rituel à Nice, c'est ce restaurant près de la gare. Tous les cheminots connaissent l'adresse. Autour de la table, tous ont les mêmes appréhensions. Devoir s'arrêter à un signal d'arrêt, et puis on freine et il ne se passe rien. Et le train continue à rouler. Il roule. Et on a beau faire, il roule toujours. Ça m'est arrivé de rêver ça, ouais. Le train qui s'arrête pas. On a tous fait le même style de rêve, oui. Je croyais que j'étais tout seul. Non. Cette journée qui s'est bien finie. Oui. Parce qu'on est ensemble. Hein. Demain matin, tous rejoindront Paris. Si pour eux, la journée s'est bien terminée, à la gare de Lyon, la situation est tout autre. Chef d'escale pour la gare de Lyon. Nous retrouvons Vincent, le chef d'escale, qui n'est pas au bout de ses peines. Vous êtes prêt pour quoi exactement? Une rupture de caténaire sur la ligne Paris-Toulon a considérablement retardé les trains à l'arrivée de la gare de Lyon.
Je te laisse préparer les cartons avec les clés. Tout est prêt, on est prêt. Avec les fiches réclamation également. Également. Ok. Anticipant la grogne des passagers, il décide de descendre lui-même dans l'arène. Le dernier train de la journée arrive de Nice avec 2 heures de retard. À son bord, des clients excédés qu'il va falloir gérer. Ses agents sont prêts à distribuer des enveloppes de réclamation, mais c'est Vincent qui devra s'occuper des cas les plus compliqués. Bonjour, moi je viens de rater mon avion. D'accord. Vous venez de rater votre avion ? Ok. C'était à quelle heure votre avion ? Vous n'en avez pas d'autre avant demain matin, non. C'est ça ? 20h45. Bon, on va faire un groupe et puis on va amener tous les gens du recueil. Donc, il me faut 4 personnes sur les guichets, s'il te plaît. On a des retards supérieurs à 30 minutes. Et on va forcément rentrer dans les heures où maintenant il n'y aura plus de correspondance avec les autres gares. Donc ça sera pris en charge d'hôtel. Là, j'ai 4 agents qui traitent les billets. Donc on annote les billets pour le lendemain. Et donc on passe par un standard pour réserver des chambres d'hôtel quand le cas est justifié. Mais tous les hôtels parisiens avec lesquels la SNCF travaille sont pleins. Il va falloir l'annoncer aux voyageurs. Par un hôtel, mais pas à Précano, je pense. Les hôtels, monsieur, sont complets. La disponibilité, c'est à Val-de-Fontaine. Val-de-Fontaine, mais pourquoi pas Orléans pendant que vous êtes là? C'est pas sérieux, je me dis. C'est le budget de Paris, mon Dieu. Ben oui, il y a quand même mieux d'hôtels à Paris. Finalement, ces deux jeunes décident d'abandonner. Non, on pas d'hôtel. Il se passe qu'on nous prend pour des coups. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça? On doit me loger à côté de Saint-Lazare et là, on me loge à Val-de-Fontaine, donc. Dommage, ils auraient dû insister. Mais bien, il y a des hôtels à Paris, enfin. Pas d'hôtel, on est à Paris. Soyez sérieux, on est à Paris, on a trouvé l'hôtel nous-mêmes, on présente la facture. Moi, je vais à l'hôtel. Là, il y a un fond de personnes, et quand ça devient comme ça, c'est le vrai pugilat, ça devient cher. Et on présente la facture, vous demandez un remboursement sur facture. Pour calmer les esprits, Vincent est obligé de s'incliner et de proposer aux clients d'aller dans des hôtels de leur choix. J'ai pas de train, j'ai pas de desserte ferroviaire, j'ai pas d'hôtel disponible. Voilà. Pas facile ni pour eux ni pour vous. Non, on est souvent pris entre le marteau et l'enclume, mais bon, c'est comme ça. Le TGV numéro 6000. Peu à peu, la gare se vide. C'est la fin de la première journée de grand départ. Au total, aujourd'hui, 120 000 personnes ont pu partir en vacances. Si la gare de Lyon est une invitation au voyage, ils sont une cinquantaine ou peut-être plus à ne jamais partir. Ils n'ont ni destination ni train à prendre. Pour eux, la gare, c'est surtout un toit, un point d'ancrage. Bonjour. À la gare de Lyon, c'est Chantal qui s'occupe des sans-abri. C'est la mission que lui a confiée la SNCF en 2005. Ce matin, elle a rendez-vous avec Alima, de la police, et Sébastien, responsable de la sécurité de la gare. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ensemble, ils vont à la rencontre d'un groupe qui s'est installé juste devant les portes principales. Vous connaissez l'association Aura ? Oui. Oui. Parce que ce que je peux vous proposer, c'est d'aller là-bas. Ne serait-ce que pour prendre une douche, prendre un petit café, même un repas. Et ensuite, au niveau papier aussi, ils peuvent vous aider dans administratif. Ce qu'il faut à travers les associations, en bossant avec Chantal et l'association avec Alima, c'est surtout les inciter, les inviter à aller faire des démarches. Et puis, au fur et à mesure, à éventuellement retrouver une vie comme ils avaient avant. Et c'est ce qui permettra de les faire aussi bouger de la gare. Ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'ils se sédentarisent. Et pour eux, ce soit un acquis. Voilà, on peut être là. Une gare, c'est pas fait pour ça. Vous êtes domicilié quelque part ou pas ? Depuis peu, je suis domicilié, moi, gare de Lyon. Gare de Lyon, ben oui, mais vous n'êtes pas domicilié, je veux dire. Et ça fait combien de temps, parce que je ne vous connaissais pas, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait 2 semaines. Ah, 2 semaines, d'accord, ouais. Ouais. Non, alors c'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut essayer de trouver une solution, parce que plus vous allez rester là, plus, bon, moins ça, vous allez arriver à vous en sortir. Enfin, puis ça sera de plus en plus difficile.
au fur et à mesure qu'il reste, ça s'enfonce, il s'enfonce, il s'alcoolise. Et puis après, je veux dire, on verra. Il se déconnecte, voilà, et puis on a des cas. Moi, je ne sais plus quoi faire. Vous allez de ma part, hein, et puis moi, je les appelle tout à l'heure. D'accord ? Je compte sur vous. En attendant, les sans-abri seront déplacés un peu plus loin, le temps de nettoyer leur emplacement. Contrairement à d'autres pays, en France, on ne peut pas les contraindre à quitter un lieu public. La maraude continue en sous-sol dans le RER. Chantal veut s'assurer qu'aucun SDF ne court de risque. Derrière cette grille verrouillée, les rails du RER. À cet endroit, un train passe toutes les 4 minutes. Pourtant, on avait un SDF donc, qui s'était installé ici. Donc un soir où il a voulu quitter les lieux, il est parti, il n'a pas fait attention, il a cru pouvoir sauter devant le train, mais il a été heurté. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Chantal a pu le faire hospitaliser à temps. En s'installant à cet endroit, l'homme pensait pourtant être en sécurité. Un paradoxe. Ils ne sont pas dans la même compréhension que nous, malheureusement. Ils ont besoin d'un endroit où ils puissent être tranquilles. C'est ça, ce qui leur importe, c'est de pas se faire agresser par d'autres personnes. Là, il y a la porte, il y a tout. Personne ne vient ici l'embêter. La rue est déjà pas tendre par rapport à leur vie, mais entre eux, c'est pas tendre non plus. Il n'y a pas de compassion, je veux dire. Et c'est pour ça qu'il leur faut des petits coins isolés. Pour se sentir, je dirais, rassuré, pour se sentir un peu sécure, on va dire. C'est d'autres dangers qui les guettent là. Alors, pour aller plus loin que ces maraudes, Chantal a eu une idée de cheminot. Sur cette voie désaffectée, non loin de la gare, il y a 5 ans, elle a réquisitionné d'anciens wagons couchettes pour les transformer en hébergement d'urgence. Rachid, qui fait partie de l'association Le CASP, donc gère les voitures couchettes et donc accueille des personnes en difficulté. Et bon, j'essayais d'avoir quelques places, mais malheureusement, c'est complet. Le centre accueille aujourd'hui 70 personnes. À l'intérieur, c'est Chantal qui a tout imaginé. Ici, on a enlevé les banquettes, etc. Bon, par exemple, là, c'est flagrant. Tout a été enlevé de façon à faire une belle pièce adaptée pour vous, comme vous vouliez. À gagner de l'espace. Quoi. Voilà, gagner de l'espace. Sinon, c'était trop serré. Pour tous les aménagements, Chantal a fait appel à la bonne volonté des techniciens de la SNCF. Au départ, mettre une douche dans une cabine comme ça, je veux dire, mes collègues se sont creusés les méninges. C'est vrai qu'au départ, on m'avait dit non, c'est pas possible, etc. Et ils se sont pris au jeu au niveau technique parce que c'était vraiment des défis à relever. Et ils se sont investis à 100%, même à 150%, parce qu'ils m'ont même proposé des petites solutions techniques au fur et à mesure des problèmes que l'on rencontrait. Ici, le séjour moyen est de 8 mois, un temps suffisant pour s'installer. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Patrice a passé 4 ans dans la rue avant d'arriver ici. Voilà, Rachid m'a dit que c'était vous qui le faisiez. Voilà, exactement, un petit occupement de plaisir, parce que c'est mon métier en plus. Ah bon ? Et mais puis, c'est bien. Bon, c'est un petit peu plus agréable avec des fleurs. Bien sûr. Un petit peu d'entretien au niveau du désherbage, des broussaillages. Oui. C'est vrai que ça fait plaisir parce que vous vous dites, bon, vous avez fait des petites choses et là, bon, ça prend forme, ça prend... puis, je veux dire, c'est chez vous, quoi, c'est forme de vie. Disons que je suis parti déjà pour commencer dans le débroussaillage parce que j'ai tellement d'herbes. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer à planter un peu des petites plantes comme ça, ça serait peut-être un peu plus joli. Puis voilà, c'est parti comme ça, puis au fur et à mesure, on avance. Ce soir encore, le train de Chantal affichera complet. Il est 18h30. Comme beaucoup de gens qui travaillent à Paris, Sébastien,
qui s'occupait ce matin des sans-abri de la gare, à quelques kilomètres à faire pour rentrer chez lui. Allô, coucou. Sébastien ne prend ni le métro, ni le RER, mais le TGV. Depuis 7 ans, il fait l'aller-retour depuis Dijon, tous ça les jours. Ouais, mon chouchou, t'étais pas là. Chouchou, c'est Eric, un de ses compagnons de TGV. À force de voyager ensemble, ils se connaissent bien. Le rituel du vendredi, c'est l'apéritif dans la voiture bar. On coupe, ça y est, fini la semaine, je coupe. On va dire que c'est la coupure du week-end qui commence. Notre champion de golf. Salut Denis. Ils sont une petite dizaine à se retrouver. Depuis plusieurs années, le bar de ce TGV est fermé. Mais petite tolérance pour ces grands voyageurs, ils ont le droit d'y trinquer. Alors la tradition, c'est de porter un toast à ceux qui pensent que c'est dur de faire les voyages. C'est pas vraiment vrai que c'est dur, mais on porte un toast quand même pour penser à eux. Donc à ceux qui pensent que c'est dur de faire les voyages. En fait, il y a une vie sociale dans le train. Comme on a une vie sociale au boulot, comme on a une vie à la maison. Et ce petit bout, on le remplit de convivialité parce que c'est quand même sur l'année 240 jours, 2 heures de TGV par jour. C'est quand même une masse d'heures assez importante. Et on a réussi à créer un petit groupe, un peu hétérogène, mais avec un même état d'esprit, quoi. Denis travaille dans le bâtiment, Sébastien est cheminot, Eric travaille dans la mode. Les copains du TGV ont des profils très différents. Il faudra quand même que je t'emmène à la chasse puis que tu m'emmènes au golf. Ouais, ce serait bon. Ça fait croiser des gens qui normalement ne devraient pas se croiser. Comment moi je pourrais te connaître si tu bosses dans le luxe? Moi je fais de la recherche, honnêtement. A priori, pas de point commun dans cette joyeuse bande. Sauf un, leur choix de vie. J'aime bien, il est positif. Moi je suis issu de la campagne, de la terre, je ne peux pas vivre en ville. Par contre pour le boulot, je me suis battu pour monter en grade, etc. Il a fallu monter sur Paris. Par contre, je ne veux pas punir tout le monde, gâcher la vie de famille. Donc voilà, donc je fais le trajet tous les jours. Le choix, il est simple. Hein. On peut avoir à Paris le meilleur des boulots. Parce que de toute façon, quand on habite la Côte d'Or, pour avoir du travail, c'est quand même pas très facile. Et on a dans nos campagnes, en fait, la meilleure des vies. Au milieu, en fait, on essaye de s'aménager un espace-temps sympa. Et le prix à payer, c'est le temps de transport. Bah là, il n'y a pas de gens qui vendraient leur vie pour une vie à Paris, quoi. Ils acceptent tous de faire plusieurs heures de transport par jour, mais aucun n'échangerait son TGV contre un autre train. Moi, j'ai un collègue de bureau, il fait 1h45 de TER ou de RER, autre chose comme ça. Physiquement, c'est pas du tout pareil qu'une heure de TGV. Et on dort dans le TGV le matin quand on est crevé. L'apéro TGV touche à sa fin. Il est temps de plier bagage. Vous nettoyez tout là avant de repartir ? Ouais, toujours. Ah oui. Oui, c'est impératif. De toute façon, on a pris un bar propre, on le rend propre. Pas de raison qu'on soit des sagouins. Hein. Quelqu'un veut du pain ? Oh non, c'est bon, je te remercie mon ami. Oui, 5 ans, c'est une bande de copains, c'est une bande de copains de trajet, de galère. Et on se voit aussi bien là la semaine et encore le week-end, et c'est génial. Le week-end à la campagne peut commencer. Sébastien retrouvera la gare de Lyon lundi matin. Retour à Paris. La nuit est tombée. Le train des SDF commence à s'animer. Comme tous les hébergements d'urgence, il ouvre ses portes uniquement en soirée. Daniel est l'un des résidents. Comme tous, il participe à la vie de la communauté. Daniel a passé 3 ans dans la rue. Depuis quelques mois, il a pris ses quartiers dans le train. Donc là, on est chez vous. Voilà, ici, vous êtes chez moi. Ça, c'est Versailles. C'est ma maison. Voilà. C'est tout petit, mais c'est beaucoup plus grand quand j'étais dans la rue, finalement. La rue, c'est immense, mais on n'a pas le confort qu'on a ici. On a juste un carton, un sac de couchage et on se débrouille avec. Ici, on a la chance d'avoir une couchette, avoir de quoi s'installer pour écrire, ranger nos vêtements, il n'y a pas de problème. Dans la rue, il n'y a pas tout ça. Jamais, jamais, jamais. Dans cette cabine de 3 mètres carrés, les vestiges de son ancienne vie, comme ce livre. Ça, c'est comment vit-on sans maison. Et voilà. Donc ça, c'est vous. Mon copain Chapin et moi ici. Voilà, c'est Daniel.
Et ça, c'est ce qu'il y avait dans mon sac à l'époque. Tout ce que j'avais dans mon sac à dos. Surtout des produits pour aller prendre ma douche tous les matins. Parce qu'à la rue, je me suis quand même lavé tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai même, je ne peux pas le dire, j'ai même été me laver, prendre une douche à l'Opéra de Paris. Oui, l'Opéra de Garnier. Après, ils m'ont viré. Ils m'ont foutu des rêves. Bon, il ne faut plus jamais faire ça. Hey, salut tout le monde. Ça va la famille? Ça va, chef? Dans la pièce qui sert de salon, les copains de galère sont devenus des colocataires. La vie en groupe est un choix aujourd'hui et non plus une contrainte imposée par la rue. Et à l'apéritif, c'est thé pour tout le monde. Et du sucre. Et c'est prêt. Alcool ici interdit, comme le tabac. Comme le tabac. L'alcool et le tabac, c'est interdit. Et les filles, c'est interdit. Reste la chaleur d'un toit, les amis et la musique. Love me tender, love me sweet, never let me go. All my dreams so fair, for my darling, I love you. Le centre, c'est pas l'hôtel, c'est pas un appartement. Ils vont se l'approprier tout doucement et puis se remettre sur les rails. Je veux dire, en termes SNCF, se remettre sur les rails. And I can help for any love with you. Yeah, yeah. Une autre, une autre. Une autre. Une autre, Charlie. Une autre. La gare de Lyon est connue pour la beauté de son architecture, mais aussi pour sa complexité. Alors pour aider les voyageurs, souvent pressés et stressés, à se repérer dans ces immenses halls, on a complètement revu la signalétique. Les panneaux ont été modernisés, on a privilégié les affichages grand format et les pictogrammes. Votre attention, s'il vous plaît, en raison de la panne. Pour décider de cette nouvelle signalétique, des tests ont été réalisés avec des usagers pour mieux comprendre leurs difficultés à trouver un quai ou un taxi. Aujourd'hui, Gare Montparnasse, on s'apprête à mener la même expérience qu'à la gare de Lyon. On veut aussi simplifier la signalétique. Ces hommes aux valises en métal sont des experts suisses mandatés par la SNCF pour travailler sur le sujet. Ils ont rendez-vous dans le métro, sous la gare, avec un cobaye. Il y a une caméra entre les yeux qui filme votre champ de vue. Très bien. Et puis ensuite, il y a deux petites caméras infrarouges à l'intérieur qui filment vos yeux. France va découvrir Montparnasse qu'elle ne connaît pas avec ses lunettes. En anglais, on appelle ça l'eye tracking. Les lunettes enregistreront tous ces mouvements oculaires pour analyser comment elles se repèrent. Ok. On espère vraiment voir la gare par ses yeux, si on veut, pour comprendre comment une personne qui ne connaît pas la gare l'aperçoit. Je vous explique votre devoir, votre tâche. Vous avez la visite de l'étranger? Oui. Et vous voulez aller voir le château de Versailles ensemble? Très bien. Il vous faudra procurer le billet de train. France doit donc trouver le train indiqué par Pascal. Ce test sera réalisé sur 25 autres personnes. Vous prenez le train pour Versailles. Pour Versailles. Oui. Très bien. Et c'est parti pour le périple de France avec ses drôles de lunettes sur le nez. Le cercle rouge représente l'endroit où se porte son regard. Grâce à lui, on n'ignorera aucun détail sur la trajectoire de France. Elle vient de repérer un écran. Elle ne semble pas distinguer clairement les indications pour son train. Sur sa droite, un autre panneau d'affichage. Le quai n'est toujours pas indiqué. La voilà près des quais d'où partent les trains de banlieue. Mais France
est manifestement perdue. Elle ne voit toujours pas les indications pour Versailles. Elle décide de sortir de cette zone. Départ, Nantes, Saint-Nazaire, c'est pas ça. Versailles, 10. Ah bah c'est 10 maintenant. Un nouveau panneau affiche maintenant la voie 10. France s'approche des quais. Je continue, je suis arrivée là. Vous êtes arrivée ? Oui. Enfin, vous me dites quand vous êtes. Pour moi, je suis arrivée. Versailles. Versailles ? Il est où le train ? France se trompe de quai et part vers la voie 9 au lieu de la voie 10. Elle revient sur ses pas, mais la surprise, elle est bloquée. Il faut que je ressorte. Il n'y a pas d'accès à la voie 10 de ce côté. Manifestement, la signalétique peut être améliorée. France cherche un autre chemin pour accéder à son quai. Finalement, elle retourne dans la première zone. C'est bien de là que part le train pour Versailles. J'y suis. Ok, très bien. Alors on va se mettre un peu de côté. C'est absolument pas pratique. Le fait qu'il faille... Il y a la voie 9 qui est là, la voie 10 à côté. Et je ne peux pas aller de la voie 9 à la voie 10. Il faut que je ressorte, que je remette mon ticket. La gare parfaite, elle n'existe pas, je pense. Il y a toujours des choses à faire. Et, C'est vraiment au niveau des voies. Ouais. Et maintenant, on va en discuter plus en détail ce qu'on a vu. Pascal rendra ses conclusions à Nathalie Lerer, qui supervise cette étude. Elle vient voir comment s'est passée l'expérience. Chaque gare est unique, et donc dans la composition des panneaux et des messages, on a besoin de s'adapter à la gare. Concrètement, tout ce qui a trait au train, on va le mettre sur un code couleur bleu. Tout ce qui a trait au service, ça va être du jaune. Et tout ce qui a trait au mode de transport vers la ville, entre la gare et la ville, on va le mettre en vert. Donc déjà, le client, une fois qu'il se sera approprié ses codes couleurs, quand il cherche un service, il ne va pas aller regarder les panneaux où il y a du vert ou du bleu. Il va aller regarder, cibler directement les panneaux où il y a du jaune. Le lendemain, départ pour Londres pour Nathalie Lerer, en compagnie d'Éric Sukab, le tout nouveau directeur de la gare de Lyon, et de Sébastien Van Hove, le responsable des commerces en gare. L'objet d'étude, la gare de Saint-Pancras à Londres, rénovée en 2007. Regarde le quai, la propreté du quai, t'as pas un chewing-gum. C'est propre. C'est lumineux, les couleurs sont claires, c'est l'ambiance terminale. Voilà, première impression à chaud. L'équipe va passer une journée entière à Saint-Pancras. Sébastien connaît bien la gare, Eric et Nathalie très peu. On remarque la largeur du quai, un quai qui est très large, donc qui est très lisible, qui est confortable. Nos quais sont plus étroits, donc ça donne un autre sentiment. La deuxième chose que je remarque, c'est les inscriptions au sol du numéro de la voiture. Ça, c'est super pratique. C'est vrai qu'on est souvent en hésitation à regarder par rapport à son billet, où est-ce qu'est la voiture, où est-ce qu'elle va arriver. Ça, c'est très confortable, très pratique. Saint-Pancras, c'est une gare construite au 19e siècle, mais qui a été complètement modernisée ces dernières années. Ah ouais. Le contraste avec Paris ce matin est impressionnant au niveau du rythme. Les gens, ils sont calmes, ils marchent calmement, ils courent pas. Et un confort thermique aussi, il fait bon. Il fait pas froid, pas de courant d'air, et il n'y a pas ce bruit. Donc l'atmosphère est complètement différente. Nos trois visiteurs sont attentifs aux moindres détails. Vas-y. Allez, moi je vais d'un côté, tu vas de l'autre. Vas-y. C'est sommaire, mais c'est ergonomique. On n'y restera pas des heures, mais bon. Ça ressemble à le siège en bois. Suite de la visite, ici, le voyageur musicien est invité à jouer un morceau en pleine gare. Un piano en gare, Eric, c'est... L'invitation au voyage. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça renforce la beauté du lieu, c'est une invitation au voyage, ça met une ambiance chaleureuse, sympathique. On se sent bien. En plein milieu du hall 2, sous la verrière, un piano comme ça, ça a beaucoup de sens, ouais. Je crois qu'en rentrant, on va s'atteler au sujet avec Eric. Des visites comme celle-ci, ils en effectuent plusieurs chaque année dans les gares étrangères. C'est le moment d'aller voir la façade victorienne. Waouh! Ah, c'est un vrai monstre! C'est super! On dirait pas une gare, hein? Non. On dirait pas une gare, hein? On dirait un hôtel de ville, on dirait un palais de justice. Ah là, il y a l'émotion, là, je trouve. Bon, alors ça vaut le coup d'œil, hein? C'est le choc de l'histoire et de la modernité. Ah oui? Qu'on prend en permanence, en pleine face. Là, il y a un hôtel 5 étoiles. Éric Succab est impressionné par Saint-Pancras, mais sa gare de Lyon n'est pas en reste. Voilà, ce campanile. J'avais presque honte à le dire, mais le beffroi de la gare de Lyon est plus beau. C'est le moment est venu de découvrir les services qu'il ne connaîtrait pas encore en France. Il y a un truc super, Nathalie, au fond, là-bas. Il y a un haute faune. Oui. Ah oui, les téléphones rouges. Voilà. Et pour les clients mécontents, plutôt que de se faire engueuler déjà au guichet, déjà le client peut s'exprimer de façon anonyme et directe sur un téléphone et avec spontanéité. Et on a même inclus le mécontentement du client dans le fonctionnement de la gare. Alors tiens, le point d'information, on va s'y arrêter. Ici, tout est automatisé. Première déception. Et si tu fais sur bac encore en bas? C'est assez succinct quand même, hein, ce qu'on retrouve ici. L'information n'est pas très claire, pas très lisible. On ne croise pas d'agents hein, qui non, nous aident. Hein. Il n'y a pas d'agents. Vraiment sur de l'autonomie. Oui, là par contre, c'est pas terrible. On est obligé de se débrouiller soi-même. Je suis, pardon, noble de la gare. Ce truc-là, j'appellerais ça un truc, mais pas au sens noble du terme, il ne nous apporte pas beaucoup d'aide. Même si elle est bien conçue, elle manque d'âme. Alors que notre gare de Lyon, elle a une âme qui est différente et je pense que l'absence de présence humaine joue là-dessus. Direction maintenant la galerie commerciale de la gare. Donc là on est dans la zone dite des arcades parce qu'on voit bien derrière toutes les boutiques de ce côté-là, on a derrière la façade vitrée toutes les arcades historiques et toutes les boutiques se sont complètement intégrées dans cette architecture d'origine. Ici, on passe devant des vitrines luxueuses, des boutiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos gares françaises. Là, on a de la bijouterie, accessoires de mode plutôt haut de gamme. C'est un choix, c'est un positionnement. Ici, ça a du sens parce qu'on est sur une clientèle fortement internationale. Il faut vraiment que c'est une pertinence et ce n'est pas le cas dans toutes nos gares parisiennes. Et en quelques mètres, on passe du luxe au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des produits pas transformés, bruts, alors que dans une gare, on est beaucoup dans l'industriel quand même, généralement. Donc là, c'est assez surprenant de voir des pommes en vrac comme ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans nos gares. La journée a été riche en observations. Il est temps de rentrer à la gare de Lyon. Alors, les idées bonnes, c'est une gare nette, lisible, facile à comprendre en termes de schéma. Les idées moins bonnes, c'est qu'on laisse la part belle à tout ce qui est consommation, que ce soit de la consommation de base ou un peu plus luxueuse. En revanche, tout ce qui est espace d'attente confortable, prise électrique, espace où on peut être connecté, avoir du Wi-Fi, accueil. Moi, je suis un peu en reste sur cet aspect-là, sur l'aspect service. On n'est pas tellement accompagné. Si le futur de la gare de Lyon reste encore à inventer, son histoire passionne toujours autant. C'est la journée du patrimoine. Éric Succab, tout juste revenu de la gare londonienne, reçoit en personne les curieux. Vous partez en visite ou vous en revenez? Vous en revenez? Vous, tous les trois? Oui. Ok. Bon, allez-y. Allez-y. Tous sont impatients de monter dans la tour de l'horloge, un campanile de 67 mètres de haut, habituellement fermé au public. Il faut un peu de courage pour gravir les 400 marches
et découvrir les quatre imposants cadrans qui permettent aux Parisiens de voir l'heure à des kilomètres à la ronde. C'est la première tour de l'horloge pour une gare en France. Il y avait un lanterneau vitré qui était lumineux. C'était un point la nuit qui était éclairé. C'était vraiment un signal très fort dans l'Est parisien. Les Parisiens pouvaient se repérer par rapport à la tour de l'horloge. En fait. La visite guidée se termine au dernier étage avec une vue imprenable sur la capitale. D'en haut, on se rend mieux compte de l'immensité de la gare. Pour cette mère de famille, c'est une découverte. C'est impressionnant. On n'imagine pas que c'est si grand quand on est dedans, en bas. Moi, j'aime bien les gares. La gare de Lyon, ça a souvent été un casse-tête quand même pour les voyageurs. Il y a eu pas mal de travaux récemment, enfin, ça continue, il y en a encore. Et finalement, on voit qu'elle est de plus en plus belle. Une gare de Lyon de plus en plus belle, monument incontournable de la capitale, mais surtout une gare en perpétuelle mutation pour mieux correspondre aux besoins des voyageurs de demain. Français essaient de créer des bouleversements. Pour en savoir toujours plus et pour en discuter, retrouvez le forum et toutes les infos sur les docs sur France3.fr.